Sector is clear. Give us everything we got! All wings! Et salut tout le monde, c'est Warlock. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront 2. J'ai bien mis un petit générique comme ça pour rigoler. Attendez. Non. Non. Je vais faire mon con. Je vais être furtif avec elle. C'est un peu la base. Oh, j'ai pas vu lui. Oh tant pis. C'est con, je l'ai pas vu vraiment. Soigne-moi s'il te plaît. Je sais pas comment il s'appelle le robot, je crois qu'elle vient de le dire. Donc là on doit activer les détonateurs, je voulais vous le dire aussi. Oh je m'en doutais. Ah, détonateur. Lance-roquette. Détonateur. Il prend le détonateur. Mais... Non, falloir plus que ça. Elle est de tension elle. Essayez d'en trouver d'autres. Un peu de Bactam ferait du bien. Merci beaucoup. Elle est tellement polie, merci beaucoup. Ça, c'est cool ça. Oh t'es sérieux, ça prend pas assez sur lui. Quoi, tu veux faire un bazooka? Eh ben non. Oh. J'ai dit, eh ben non. Oh, j'essaie de lui faire un headshot en fait. Voilà, enfin. Parce que là, je fais mon con. Oh, j'en ai marre de ça déjà, je voulais même pas utiliser ça. Viens taper première personne. Oh, j'ai mis dans la tête celui-là. Où ça? Abaisse-toi. Donne-moi des soins. Merci, charge de revanche. Mais je préfère jouer comme ça, ça se voit. Je pense qu'après il y aura une attaque parce que vu qu'on peut prendre ça, c'est pas pour rien. Sors de là. Ne manque pas, hein. Je sais pas logiquement que j'en ai marre quoi. Il est temps de fermer définitivement ce hangar. Eh, c'est pas puissant ça. Quoi? Comment ça? Une barre de vie elle a descendu d'un seul coup. Déjà je change d'arme. Ça va saouler. T'as pas une bonne arme là Ça c'est nul. Ça c'est nul. Bon, on va prendre ça, tant pis. Oh, c'est bien ça. Ah, c'est lui qui m'a fait mal. J'ai plus mon lance-roquette. Non, bah c'est de la triche. Je veux mon lance-roquette, j'ai récupéré tout à l'heure. M'en fous. Allez. T'as déjà les cartes. Ça ne correspond pas. Faut que je veux. Mais dégage, mais je suis bloqué. Trouvez des armes lourdes, vite. Il y avait un bazooka, je sais plus ce qu'il est. Que par là peut-être. Putain mais t'es marrant toi. Il en fallait 3. Je parie qu'ils n'ont rien vu venir. Il y a un bout qui a passé par là. Ok, donc ça c'est fait. Il va rester soldat, non? Bouge de là, bouge de là. Ça y est, elle a bugué.
Boum. Voilà, c'est ça qu'on aime. Ça peut-être pas. Est-ce que je peux avoir le bazooka? Il est pas là-bas. Il est là. C'est peut-être avant que j'aurais dû l'avoir pour le vaisseau. Bon, je l'ai eu, donc aucun regret, aucun remords. Puisque je suis mort deux fois à cause de ça. Je suis mort une fois, mais bon. Directement sur les TIE. Enfin, je suis mort deux fois, mais la première fois, je dois prendre ça, c'est ça. Alors, je dois poser un détonateur. Là, je suis mort une fois. Parce que je l'avais pas vu la deuxième fois, parce que j'avais pas les bonnes armes. Je peux faire du lit. Ça marche pas. Donc, il fallait bien que deux. Pourquoi des vaisseaux uniquement? Parce que ça fait exploser tout en hangar, c'est ça, je pense. Armé. Ce bruit, c'est quand t'approchais d'un détonateur de proximité, ça explosait directement, quoi, et tu mourrais à chaque fois quasiment. Oh, t'as 2 chances sur 10 de survivre en fait. Pas mal celle-là, je la garde. J'avais vu la passerelle s'ouvrir. Oh, mais il a bougé de place, ça m'énerve. Headshot, ma plus grande réussite. Alors, par contre, d'accord. Ah, ouais, cette arme est super. Hein. Oh, le refroidissement de cette arme est pourrite. Hein. Ah, ouais, carrément pourrite. Pas une arme à prendre pour le multi, ça je vous dis. Et je vous conseille de la laisser au maximum comme ça, comme je viens de faire là. Parce que sinon, ça va être galère. Le refroidissement. Voilà qui est mieux. Explose. C'est quoi? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça encore. Électrochoc. Voilà, bien joué. Il a cru quoi, lui? Le refroidissement, il est horrible. Et ça joue sur l'impact, justement. C'était le dernier. Ah. Un mode histoire, c'est ce qu'on aurait voulu dans... Ah, sérieusement. Mais bon, oublie... Ah, là, c'est le 2. La roquette part jusque où? Ah, elle part loin, quand même. Après, on la voit plus, mais c'est normal. Même quand tu vois l'horizon, tu vois pas jusqu'au bout. Quand même. C'est qui a parlé, ce robot? J'espère qu'on a posé à cet détonateur. Non, c'est lui. J'ai vu un mot, mais bon, pas lui, c'est bon. On dirait que oui. C'est magnifique. C'est ça qu'on appelle le bonheur. Je peux vous expliquer. Je voulais voir les détails du feu en fait. Et quand j'ai vu que j'étais beaucoup trop proche, j'ai fait une demi-tour et c'était trop tard. Je suis con, je vais recommencer. Oui, on est où là? Au travail là-bas. Bah, on est où là? Actuellement de la crête de carbone. Jamais arrivé. D'accord. Moi, mais je veux savoir où est-ce que je me situe. Ah d'accord, donc en fait on était là-bas. Je ne sais pas, mais. Illogique. Je crois que l'Empire est en train de perdre. J'ai la même impression. Voilà. C'est presque terminé. Aujourd'hui, c'est la fin de l'Empire. Mieux vaut tard que jamais. Là. Donc on va comprendre comment l'Empire a arrêté en fait. Oui, c'est mon vaisseau, qu'est-ce qu'il y a? Regarde un coup. Oh, je vais voir si ça a explosé. Et là, je vais obtenir un trophée, c'est ça?
votre père. Il nous a trouvés. Dans votre tenue. La bataille de Jakku. Par contre, ce chargement, il est pas pas terrible. C'est pas un chargement comme ça. Hein. L'amiral envoie des bombardiers à la poursuite du Corvus. Pas si c'est pas ça cinématique ou un bug, je ne sais pas. Bien, commandant. Soleil, très bien fait. Son père, j'ai pas compris qui c'était. Est-ce que c'est le vieux là? Le commandant, quoi. J'imagine, ça serait logique. J'attaque plusieurs personnes en même temps, hein, c'est pas logique. Ça va faire mal ça. Bombardier hors de combat. C'est pas terminé. Un autre escadron se dirige vers nous. Allez, 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 allez. Adieu. Le Corvus s'est touché. Ah oui. C'est grave, il est fumé en plus. C'est un sale truc. Ouais, là-bas. Adieu. Oh, la même phrase, adieu, quoi. Adieu. Oh, je fume. Oh, ça fume. Maïdé, maïdé. C'est bon, j'ai réparé. Un robot a réparé. Va bien, au suivant. Je vois un autre escadron de TIE en approche, mais. Tiens. Dirige droit sur vous. Un vaisseau de héros, ça serait marrant. Il faut faire. Bonjour, Iden. Oh mince. Ah, ah non, As. Je savais que tu laisserais pas passer une occasion pareille. Eh, réparation. Ça a pas réparé? Éliminer Ask. Ah, j'avais raison. Un vaisseau de héros. C'est terminé, Iden. Pour toi et ta nouvelle république. Non. Il n'y a plus que deux vaisseaux, regrette, là. Mais tu t'es trompé de camp. Trois vaisseaux. Tu me traques de toi-même ou c'est mon père qui t'envoie? Quelle réponse te ferait le plus de mal? Aucune. Oh, j'ai envie d'avoir tout le monde. Et il bouge trop. Regardez ça. Comment voulez-vous que je tire? L'amiral m'a ordonné de te retrouver. Il n'a vraiment pas apprécié cette attaque sur Bespin. Quoi? Mais attendez, vous avez vu ça quoi? Il est arrivé, paf, et puis voilà. Moi, si je veux, je te en un coup. Hein. Que j'essaye d'avoir tout le monde, mais sinon j'étais en un coup. Enfin, j'ai pas pensé à faire ça. Je regrette, mais tu t'es trompé de camp. Tu me traques de toi-même ou c'est mon père qui t'envoie? Quelle réponse te ferait le plus de mal? Aucune. Je me demande simplement qui m'en veut le plus. Ils sont où? Tu veux que je fais quoi là? Tu veux que je fais quoi? Explique-moi. L'amiral m'a ordonné de te retrouver. Il n'a vraiment pas apprécié les attaques sur Bespin et Sulus. Je suis sûr que tu ne t'es pas fait prier. Comment aurais-je pu? Ouais, j'abandonne. Enfin non, j'abandonne, je veux dire, je prends pas les autres ennemis. En plus, j'ai vu qu'il y en a d'autres qui arrivent. Je tue l'autre mec en un coup, c'est bon. C'est terminé, Iden. Il mourra pas. Pour toi et ta nouvelle république. Non. Je regrette, mais tu t'es trompé de camp. C'est pas lui que je voulais tirer. Tu me traques de toi-même ou c'est mon père qui t'envoie? Quelle réponse te ferait le plus de mal? Il est où? Aucune. Je me demande simplement qui m'en veut le plus. Mais attends, mais il est beaucoup plus rapide aussi.
crois qu'il a pris ma mine. Il est fort là. Il n'a vraiment pas apprécié les attaques sur Bespin et Sulus. Je suis sûr que tu ne t'es pas fait prier. Comment aurais-je pu refuser? Ici, on approche, t'es sérieux. Il est où? Il s'en fout. Il va dans tous les sens, c'est injouable. Regardez, je lui tire même pas dessus, ça m'énerve. Pas moi. Je suis en mode normal, pas en mode difficulté. Tu ne mérites pas de vie. Alors je vais te prends même pas ces torpilles que je lui envoie. Il a esquivé. Ah si, il l'a eu, je crois. Allez, 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 allez. Si je perds, je recommence tout ça. No way, j'ai pas envie de perdre. J'ai enlevé la moitié de sa vie seulement. Le missile que je t'ai envoyé, il est où? Où ça, ça fait mal ce que je t'ai mis là. Ah, tu fumes, c'est con. La musique par contre est parfaite. Hein. Sauf que j'ai peur au droit d'auteur. Et j'ai même pas localisé, je suis un peu peur. C'est un peu injouable. En même temps c'est fait exprès. Ce serait beaucoup trop sable sinon. J'ai même pas localisé encore. Oh ça m'énerve. Ah tu fumes noir là. On est raciste. Ça sert à plus rien si je te chasse. Hein. Mais vas-y, tourne autour de moi, je te dirai rien. Voilà, mon truc a servi à rien. Hein. Et voilà, il part dans l'autre sens. Et voilà, maintenant j'ai tiré dessus. J'y crois pas. J'y crois pas. Non! Non, non mais sérieusement. Oh non, je recommence pas tout. Ah non 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 non. Soigne-toi. Je suis à fond, je suis. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah bah bien sûr. Ouais mais c'est injouable, je vous ai dit. C'est injouable. Faut pas me dire que ça va être le truc impossible maintenant. Pour vous ça a l'air pas compliqué, mais je vous jure que vous êtes là-dedans. Regardez. Regardez, je suis en train de le suivre quoi. Je suis même pas en train de l'attaquer, je suis en train de le suivre. Regardez, il passe devant moi. Le mec a aucun respect. Je sais que sinon ça serait beaucoup trop simple, mais regardez ce que je suis en train de faire sérieux. C'est injouable. Injouable, j'ai aucun plaisir à faire ça. J'ai aucun plaisir à faire ça. Il est où? Alors là, oh non mais ils seraient arrêtés, ça aurait été super. Par contre là j'ai plus beau. Ah. Arrête-toi, je lui ai mis aucun truc. Ah c'est bon, attends. S'il tire dessus, c'est fini. Logiquement, ton vaisseau il tombe en panne avec toute la poubelle que t'as. Oula. T'es où? Il saoule. Ça c'est le monsieur Jean qui vit qui ne veut pas se faire tuer. Arrête avec tes missiles là, t'es lourd. Et regardez, vous regardez actuellement à Google en train de suivre un autre, je ne peux pas tirer. Qu'est-ce que vous voulez que je fais? Vous voulez que je fais ça? Regardez, ah oui, ça va faire quelque chose, tiens. Regardez, là je suis en train de tourner en rond là. C'est tellement mal fait. Ça se voit que c'est un truc d'un boss, hein, parce que là...
Encore une résistance, d'accord, mais pas jouer à monsieur qui ne sait pas jouer et aller dans tous les sens, quoi. Au début, j'arrivais bien à le toucher, là, je le touche même plus. Je le touche même plus. Ça me saoule. Ça me saoule de jouer avec un ordinateur, comme on dit, comme ça. Regardez, regardez, il me troll à chaque fois. Et tu sais quoi, je bouge plus, voilà. Je vais mourir, évidemment. Ah bah oui. Pas déconner. Il est où? Vas-y, ça me saoule. Je pars, je rage pas actuellement, mais regardez. Comment voulez-vous jouer? Et tu me mets un deuxième missile, je rage quitte. Où es-tu? Voilà, c'est bien. Vas-y, continue. Continue, vas-y, joue à monsieur qui ne sait pas jouer. Ça me fait plaisir. Regarde, on tourne en rond, regarde. Il fait des vrilles, le mec. Le mec sait pas jouer. Il ne tourne même pas, en fait. Tu sais quoi, je vais jouer au kick move aussi. Je vais te lancer une torpille et après tu te démerderas. Juste que je te localise. Voilà, passe devant moi, ça te fait plaisir, ah ouais. Foiré. Tiens, prends ça. Non mais sérieusement, ça a duré combien de temps cette connerie là? Après je freine, mais c'est normal. Quand tu fais un virage, tu freines bien en voiture, bon. Pour les vaisseaux, c'est pareil. C'est impossible. C'est impossible. Alors, si vous essayez Battlefront 2, vous allez passer 3 heures dessus. Hein, vous allez mourir de nombreuses fois. Pire, tu sais quoi, j'attends. Et après, je fais une vrille parce qu'il y a un missile. Et là, il va me tirer dessus, je vais crever. Et voilà, ça recontinue. Super. Putain, mais il m'a enlevé tout ça de vie en une balle. Face à un laser, on s'en fout. Et vas-y, il me tire dessus. Et là, je vais bientôt crever, là. Et là, je rigole pas. Comment ça se fait que je viens de récupérer tout? Non, sérieux, non. Non, mais... Il me fait chier, hein, vraiment. Il est saoulant, le mec. Mais c'est impossible, regardez ça, il va dans tous les sens, le mec fait niaon, tu veux que je fais quoi? Vas-y, regarde. Regarde, ah ouais, hein, ah ouais, tu vas, regardez, il touche même pas. Il touche même pas. Il me touche même pas, ça se prouve que la difficulté est intensifiée. À un moment, faut pas déconner non plus. Je sais pas, il y a un truc que je fais mal, il faut faire autre chose, je pense pas. Je t'ai envoyé un missile, espérons que ça fait quelque chose. Il n'y a même plus de dialogue, quoi. Il y a du blanc, il y a juste la musique. Ah, je t'ai touché. Je te touche. Enfin, purée. Commandant, vous me recevez? Iden, est-ce que ça va? Oui, ça va. Bien. Regardez autour de vous, c'est presque fini. Pas encore. Mais c'est le corps. Dommage, ça meurt pas. Je vais finir ce qu'on a commencé. Je vais chercher mon père. Iden, il n'en vaut pas la peine. Je dois ici. Maintenant, partez. Tu peux me dire que c'est la fin? Retraite! Retenu? Pas la mission, c'est ça, non? Oui. Ça c'était dans le trailer, me semble. Pas ce moment là. Oh. En fait, ils ont modifié, je crois. Et le trailer, ça ne correspond à rien. C'est eux qui l'ont créé, je dirais. On va marcher sur un vaisseau, t'es sérieux? C'était moi une. Je sais pas comment. Arme. Je peux sauter? Ouais. Ne refaites jamais ça. Je vais reprendre de celui-là, la 280C, c'est ça? Je crois, ouais. C'était moi une. Ouais, c'est ça, c'est bon.
Je vais bien, Adèle. Je vais trouver un moyen d'entrer. Ça, c'est vous pour et Julie, vous suivez l'autre signal de détresse. Oh, comment elle commande son droïde. Non, pas question. Nous revenons vous chercher. Ah si, attends, finalement. Je peux rajouter une carte. Oh yes. Je vais prendre ça aussi, non? Je sais pas. Oh, ça, allez. Qu'est-ce que ça... Pourquoi il me l'enlève, l'autre? Oh, t'es sérieux. Combattant, lorsque vous aimez un mêlée, vos capacités sur... Non, je vais prendre... Je sais pas, ça. Protéger d'un des tirs de blaster et des explosifs avec un bouclier... Allez. Pourquoi ça fait ça? Version améliorée d'avant pour que j'aurai ma capacité. Négatif, c'est un ordre. Droïde, désactive la ligne. C'était le tir au hasard, j'allais dire what the fuck. Ça c'est ça, ouais. Et tous les viseurs ont changé. Je suis con, j'ai mis une mine explosive. Ah, je peux, ouais. Je vais tirer dessus. Des soins, s'il te plaît. Non, pas des soins. Merci. Je les vois. Moins un. Moins deux. Ah non, pas la matraque. Ça fait rien, moins trois. J'ai oublié que j'avais des soins. J'ai fait exploser. Oh, elle m'énerve. Soigne-moi, s'il te plaît. Merci. Les Stormtroopers éclaireurs. Oh, t'es sérieux. Oh. Boum. Il fait pas boum. Mais tire, mais... C'est dingue, hein. C'est le truc parfait pour y aller directement. Tu en fait, tu perds énormément de vie. Enfin, est-ce que ça, ça marche? Oui. J'adore quand ils volent comme ça. Et au revoir. Évidemment, il en reste encore. Tant mieux. Toi, t'es le moins dangereux, toi. 35 points de vie, ça... Je crois qu'il n'y a pas que lui. Oh shit. Un peu de Bactam ferait du bien. Merci, charge de revanche. Ça me sert vraiment beaucoup de soin. Les petits combattraient à l'extérieur, quoi. Quel est ce Michael Bay? Aïe, je vais crever. Ça va. Ah, mieux. Oh, je vais faire un headshot. Oh! Des soins, s'il te plaît. Là, j'étais plus qu'obligé. Il est creux, elle crève! On a rien fait, j'y crois pas. Dans la tête, j'ai vu la petite trace de flamme, quoi. Toi, je t'ai vu là-bas.
Allez. Wow, wow, wow. Donne-moi des soins. Et qui, et qui voilà qui est je vois pas. Ah. Mais elle tire pas. Mais elle fait quoi? Mais elle a pris une arme qu'il fallait pas. Mais elle est conne. Elle est conne. Ah, je vous jure. Elle prend le truc auto-guidé, quoi. J'ai le temps de viser, hein, surtout quand j'ai une manque de la vie. Le truc auto-guidé, c'est vraiment le meilleur truc. Hein. Toi, t'es mort. Non. Ah, si. Je pensais pas. Oh, il a bien volé en plus. Il tire dessus encore. Ah, ok, ok. Spécialiste en plus. Débarrasser de toi. Toi, je t'ai vu là derrière. Il y avait quelqu'un, non? Bon, bah, j'ai rêvé. Ça ira. Allons-y. Je trouve un instant pour le portable. Peut-être que c'est quelqu'un que j'avais tué, je sais pas. Il faut qu'on sorte mon père de ce vaisseau. Parce que j'ai rêvé. Miracle. J'ai trop fait. Je dois du travail là-dedans. J'ai peur que. Il y a plein de Stormtroopers. Oh la larve! Oh stylé! Je sens la fin. Va tirer en tout cas. Ah ouais, bah c'est il bien. Est toujours là. Je peux pas tirer. Elle s'en fout en fait, les ennemis. Je visite tout moi, même si c'est pas là. Faut qu'on trouve des étapes clés ou des trucs comme ça. Faut pas qu'on se prenne personne. Celle qu'on doucement, hein, tranquille. Je sens le boss final là. Jouer. C'est beaucoup plus belle en Stormtrooper. On sait bien qu'elle a rejoint l'Alliance Rebelle. Amiral, l'heure de l'Empire a sonné. Vous n'avez pas à sombrer avec lui. C'est une tentative de sauvetage. Je me dois de refuser. Vite, nous devons partir. Rax aussi préférerait que je parte. Mais ma place est ici. J'ai voué ma vie entière à cet empire. Je me suis battu pour sa gloire. Difficile de croire que c'est tout ce qu'il en reste. Papa, allez, tiens. Chut. Tu as vu la faiblesse de l'empire. Et tu as refusé de la laisser te dévorer. C'est ce qui t'a rendu plus forte. C'est pourquoi tu partiras d'ici sans moi. Tu mérites de t'en sortir. Non, je ne le mérite pas. Mais toi, Siden, tu mérites de vivre dans un monde en paix. Va-t'en. Pourquoi je me dis Aiden, Aiden Pierce, quoi. Et vis ta vie. Ah, il est pas si méchant que ça. Je pensais qu'il allait me coller une balle. Enfin, un laser. On appelle ça une balle. Oh, c'est trop bien fait. Là, je dois m'échapper, c'est ça? Est-ce que je peux tirer? C'est dommage. Sans trooper. J'ai quoi, sans trooper, me tirer dessus, et même pas. Wow, c'est stylé, je peux mourir. Rétablis les communications. Il meurt comme ça, c'est comme dans les films, quoi. La musique pareil, regardez ça. C'est magnifique. Hey, l'utilisateur va s'écraser. Vous me recevez? Je crois qu'on va plus vite. Hein. Elle est à bout d'endurance. Hey, vous m'entendez? Tu es en train... Eh, vraiment, j'adore. Je sais pas si elle va mourir. Je crois pas, vu qu'après, il y a un scénario de Star Wars The Jedi avec Eden. On sait jamais. Fallait pas appuyer sur carré, j'ai appuyé pour tout. Trophée. T'as plus de sauvetage. Ouais. Tout va bien. Normalement, c'est fait pour être sauvé, donc. Ou pas.
Trophée obtenu, en cendres. Et c'est la fin de l'Empire. Vous pensez maintenant? Oh, c'est mignon. C'est beau, vraiment. Sauf que c'est le robot qui l'embête encore. C'est une Stormtrooper en vie. Le droïde m'a dit que vous étiez toujours en vie. On dirait bien. J'en suis ravi. Bon, suivez-moi. Faut que vous voyez ça. Premier ordre. Ah, et ça explique le 7, non? Avec les vaisseaux écrasés. Jakku, quoi. C'est fini? Avant de me mettre les sous-titres de fin, est-ce que tu peux me laisser parler? Des décennies plus tard. Et là, c'est le premier ordre, non? La navette de Kylo Ren, j'ai reconnu. Ça a pas l'air d'être fini. Je n'en sais rien. Logiquement, si, malheureusement. Mais on joue Kylo Ren. Qu'est-ce que j'ai dit? Wow. Son entrée, son thème magnifique. Poulalala. Pouloulou. Tiens, bonjour. Nous attendions votre venue depuis un moment. Mais le Ren s'énerve vite. Hein. C'est un même bruit ici. Suivez-moi, parle. Quel prisonnier. J'ai trouvé ma miniature. Plus au début, j'ai dit j'espère qu'on va jouer Kylo Ren. Tu sais, si tu voulais louer mon j'ai vaisseau, déjà essayé hein, en mode solo. La carte me nomme à Skywalker. Ah. Tu sais où je peux la trouver. Je vois pas de quoi tu veux parler. D'accord. Où l'a-t-il emporté? D'accord, ça révèle tellement de trucs. C'est trop bien fait. C'est avec le visage et tout. Sors de ma tête! Je ne te dirai rien du tout. Ah, on joue Kylo Ren. Tu crois que ce vaisseau peut te protéger, te sauver? Oh là là, plus le sabre laser. Je tiens à dire un truc, en fait, je crois que c'est lui qui a dit où est-ce qu'elle était la carte au début, même que. Bah, j'ai pas envie de vous spoiler, alors attention, le 7, si vous l'avez pas vu, hein, on sait jamais. Il meurt ensuite dès le début, l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Mais bon. Alors je viens de comprendre en fait qui a annoncé où était la carte et pourquoi Luke s'est-il exilé. Donc on sait pas vraiment, enfin, je peux faire comme ça. On sait juste que la dernière fois il avait fait un soldat impérial en fait, il a fait équipe avec lui. Voilà. Et on revient ici. Hein. C'est trop bien fait. Wow, wow, wow. Je
te vois là-bas, attention, je vais sortir mon sabre laser. C'est ici que tu as commencé. Oh. Oh oui. On est sur Scarif là, non? Pire te rendrait brave. C'est Scarif, Rogue One. Oh. C'est Scarif, les gars. Pourquoi j'attaque le premier ordre? L'Empire, pardon. Oh, j'adore. Ah, j'ai essayé un truc, mais j'ai pas réussi ce que je voulais faire. L'Or Santeca, la garde qui mène à Skywalker. L'Or Santeca, voilà. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Où l'a-t-il emporté? Ah, pardon. Attends, j'ai envie d'aller faire un plouf dans la plage. Voilà. Non, le plus intéressant du jeu. Et toi, viens ici. En plus, j'ai touché. Attends. Les souvenirs sont si faciles à briser. Vas-y, tire. Tire. Voilà. Tu me le diras. Tôt ou tard. What? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas capitaine. Iden. Je porte un toast à l'amiral Versius. Ah, d'accord. Ça, c'est moi qui ai arrêté les lasers, non? Impossible. Parce que Kylo Ren a le pouvoir de tout arrêter, comme tout à l'heure. Ah merde, ça m'a fait mal. Elle est sur Endor? C'est Endor. J'ai reconnu les plateaux. Pourquoi l'autre s'est arrêté, là? J'aurais rien fait, en fait. Alors, s'il y a des voix bizarres, c'est normal, parce que c'est un flashback, en fait. Pour ceux qui n'ont pas compris. On me dire que le son est très dégueulasse. Oh, ça, ça va exploser, j'ai envie de le voir. Ah oui, oh, je peux esquiver maintenant. Ouais, bon, c'est pas terrible l'esquive là. Oh, j'ai tiré sans faire exprès. J'ai renvoyé sans faire exprès. Ce que je leur ai dit. Je vais faire exploser ce truc. Non, on n'a pas le droit. Ah, je me rappelle de ça avec Luc, hein. Ah, je voulais pas. Moi, si, il n'y avait plus personne. J'aurais une sorte de chargement. C'est tu es déjà venu ultra ici. Bon. C'est bien parce qu'on peut tomber de partout. Eh, hey, doucement. Tu as trouvé la oh, des insectes. Encore. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas eu tellement de bestioles à affronter, c'est un peu dommage. Les Jedi, Jedi. J'ai fait tout, moi. Tu me l'as demandé. Luc. T'as peur des bonnes. Donc ouais, ça suit bien, en fait, avant le 7, ça correspond bien à l'histoire, j'avais raison. Je t'ai vu. Oh. Comment ça, les Stormtroopers sont nos ennemis? La foi t'a mené à la force. La force t'a mené au vieil homme. Qu'a-t-il fait de la carte qui mène à Skywalker?
bien qu'on peut pas le détruire, mais je vérifie. Éliminer plutôt, c'est plus correct. Ah, ça détruit des trucs. C'était stupide de revenir ici. Je peux bouger. C'est ce qui t'a exposé. Cinématique. Très long chargement. Alors désolé pour vos yeux, moi ça va. Vardos. Vardos. Là, elle est déjà venue ici. A été brisé. Oh, le boy soir. Je te briserai à nouveau ici. Pas beaucoup de vie à comparer à ce qu'on a des fois. Eh mais c'est nos Stormtroopers ça. Pourquoi ils nous attaquent? C'est les Stormtroopers du premier ordre, les nouveaux. La carte. Je ne sentirai pas. Oh, cette esquive de malade. Sauf qu'il m'a pas vu. L'erreur. J'adore vraiment. J'ai cru que c'était terminé, mais pas du tout. Et c'est vraiment un bon produit. Mais c'est vrai que pour un final, ça aurait été décevant. Là encore, c'est vrai que pour un final, ça serait pas forcément intéressant. Mais si, parce que c'est normalement en question pour le 7 en fait. Et pour, je pense, l'émission du 8, ça va pas vraiment nous spoiler en fait. Bon, il y aura quelques trucs qu'il y aura dans le 8 évidemment, mais je vais pas nous spoiler. Un exemple, là, je dis une connerie, si Ray est la fille de Luke, Luke il va pas dire Ray, je suis ton père, un exemple. Ça m'étonnerait. Je m'en doutais qu'il restait. Que j'ai mis. On a pu. Je suis le maître le plus puissant. Oui, Kylo Ren, pour moi c'est plus puissant. À moins que c'est Snoke, j'en sais rien. What? Mon dieu, c'était les Stormtroopers, à dire de Hidden Verso quoi. Vol. Oh, mais pas vers moi. C'est vrai que je les attire moi. Alors dis-moi où est la carte. En fait, non, ça serait pas cool qu'il me dit. Ça va? Ouais, tranquille, ok. Dis-moi où l'Orsan Tega a emporté la carte. Bajora! La carte est à Bajora! Trop fort obtenu? Trophée obtenu, découverte. J'ai ce que je vois, ouais. Il est à vous maintenant. Nettoyez-moi ça. Comment vas-tu, Del? Laisse tomber la politesse, Ask. Toi et moi, on sait comment ça va finir. Ouais, n'essaye pas de jouer les héros. Parce que tu n'es plus un soldat désormais. Regarde-toi, tu n'es qu'un lâche. Tu as rendu les armes. Et pourquoi? Pour devenir père. Pour être un livreur sur le Corvus. Tu sais, Iden m'a peut-être trahi, mais toi, Tel, tu m'as laissé tomber! Tu m'as abandonné. Tout le monde change, pas vrai, hein? D'ailleurs, regarde-toi. T'étais mort, je te rappelle. Attends, mais c'est Del et Lot là qu'on a combattu dans le vaisseau, non? Ouais, il faut croire qu'il reste encore des choses qui ouais, t'es pas capable de faire. Les survivants, sérieux.
Je me dis bien que sa mort était nulle. Gideon, je t'en supplie. Ne te lance pas à sa poursuite. Ça finira mal pour toi. On s'est pris une balle dans la jambe. Ah ouais. Parce que ça suffit pas. Alors, le projet résolution peut donc continuer comme prévu? Au contraire, Gleb. J'ai fait appel à vous, car vous m'avez été utile par le passé. Nous avons reconstruit votre foyer et autorisé le service de sécurité de Chinata à contrôler le système. Et en retour, vous avez pris du retard et permis à un élément extérieur... Dans du gameplay en plus, je dirais pas non. ...de découvrir notre plan. Ça, je sais pas si en fait on avait vraiment fini le mode histoire et là, c'est enchaîné sur Star Wars pour le 8, là. Nous sommes pour déplacer l'opération sur Rio et nous doublerons, non, triplerons nos efforts sur Atula. Bien, je laisserai quelques-uns de mes hommes avec vous afin de m'en assurer. Pensez à enterrer Delmico et son équipage. Mais ne touchez pas au Corvus. Vous savez qu'elle va venir le chercher. C'est bien ce que j'espère. T'es fini ? J'imagine. Campagne terminée, récompense déverrouillée. L'aventure d'Ian continue dans le monde multijoueur. Rendez-vous dans carrière est un play pour accéder à une nouvelle amélioration pour les modes multijoueurs. D'accord. Alors, si ça c'est fini, c'est moyennement décevant. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Je vais d'abord voir ce qu'il y a à me mettre. Parce que d'un côté c'est bien et d'un côté non. Mais c'est plus bien que non. Enfin... C'est partagé en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Après ce sublime chargement, et peut-être cette sublime cinématique, et cette sublime image au fait. Allô ? Un peu long le chargement. C'est lourd. Très lourd. Extrêmement lourd. Incroyablement lourd, gigantesquement lourd. Alors c'est fini, sérieusement, campagne, ouais c'est fini. Bon en fait c'est pas vraiment la fin, en fait c'est une moyenne fin je trouve, parce que là regardez, résurrection ça, c'est la suite, et j'imagine que vu l'espace qui reste il y aura encore un troisième truc, mais pas maintenant. Alors, c'est pas décevant parce que on a eu un petit truc supplémentaire, un petit bonus, et ça, c'était vraiment bien. On a vu Kylo Ren, c'est vraiment bien. Le truc qui est pas bien, c'est juste... comment on appelle ça? Les sous-titres de fin qui se sont pas mis. Et du coup, ça, c'était un peu dommage.